Bonjour, bienvenue à l'école Hamidiya privée. Unité 2, Windows XP. Je révise page 11. Aujourd'hui, on va faire révision. Prenez la page 11. L'exercice A. Complète l'illustration ci-dessous par les expressions suivantes. Changer l'image du bureau. Clic droit. Mettre les icônes en ordre. Ce menu est obtenu par un. Bravo les enfants, par un clic droit. Cette commande, réorganiser les icônes par, permet de, bravo, permet de mettre les icônes en ordre. Permet de mettre les icônes en ordre. La commande propriété permet de, changer l'image du bureau. Permet de changer l'image du bureau. L'exercice 2. Coche les expressions correctes. Pour déplacer une icône. Pour déplacer une icône. Je clique droit sur l'icône. Ou bien, je clique et je glisse l'icône. Ou bien, je double-clique sur l'icône. Ou bien, je tape la touche Entrée. Pour déplacer une icône, je clique droit sur l'icône. Bien sûr, non. Je clique et je glisse l'icône. Bravo, très bien. Je clique et je glisse l'icône. Je double-clique sur l'icône. Non. Je tape la touche Entrée, aussi bien sûr, non. Pour changer l'image de mon bureau. Pour changer l'image de mon bureau. Je clique droit sur poste du travail. Je clique droit sur l'image du bureau. Je clique droit sur un espace vide du bureau. Pour changer l'image du bureau, je clique droit sur poste de travail. Non. Je clique droit sur l'image du bureau. Sinon, je clique droit sur un espace vide du bureau. Oui, c'est vrai.